Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Je ne vais pas vous déranger longtemps, rassurez-vous, je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai juste un petit message à faire passer parce que nous faisons de métro en métro pour sensibiliser et les trains, sensibiliser un peu les gens, le citoyen français et tous ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe à travers le monde et surtout dans nos pays. Là, nous voyons un jeune homme qui est mort dans la Méditerranée qu'on est en train de récupérer là. Ça semble faire rien aux gens, ça devient normal. On entend les Noirs meurent dans la Méditerranée, ça semble préoccuper personne. Mais nous, on aimerait vous dire, parce que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Dans les médias occidentaux, on a toujours dit l'Afrique est pauvre, il faut les aider. Oh, les pauvres Africains qui meurent dans la Méditerranée, oh, ils sont pauvres, ils ne sont pas riches. On tient juste à rappeler ici, les trois quarts des richesses du monde se trouvent en Afrique. Et là, je parle des minerais qui sont en Afrique. Il y a tout en Afrique, les terres rares, la bauxite, le coltan, l'or, le zinc, le phosphate. Nous avons tout ça en RDC Congo. On a le pétrole au Tchad. On a la bauxite en Guinée. On a tous les minerais. Et toutes les entreprises occidentales se trouvent dans nos pays. Mais comment se fait-il on nous dit encore qu'on est pauvre? Simplement parce que les minerais des Africains ne profitent pas aux Africains. Pourquoi? Vous allez dire que c'est la faute de vos dirigeants. Ces dirigeants-là sont imposés par l'Occident. Par coup d'État, ils nous imposent des dirigeants. À l'exemple, en 1997, les Congolais de Brazzaville chassent un dictateur. En 1990, la France remet ce dictateur-là en 1997. Nous avons tous vu les images sur Laurent Gbagbo. Il n'est pas question d'aimer Gbagbo ou pas. Mais pourquoi les gérances de la France, l'armée française est partie enlever 10 ans en président dans un pays souverain? La Libye qui était un paradis terrestre. Les Libyens ne migraient jamais. La France de Nicolas Sarkozy a détruit la Libye. Et aujourd'hui, les Libyens viennent en France. Nous, ce qu'on veut faire comprendre aux gens ici, les enjeux à travers le monde. La force prime sur le droit. Pendant que les pays comme la France, les États-Unis crient partout, pays de droits de l'homme, de liberté, nous respectons les droits de l'homme. C'est faux. Les premiers prédateurs et les barbares des pays, c'est eux. C'est eux qui agressent, c'est pas les autres pays. C'est eux qui agressent et qui s'ingèrent dans les pays. Pourquoi je viens créer ça ici aujourd'hui? Parce que demain là, Macron va accueillir un dictateur. Pourquoi nous venons ici? Parce que ces dictateurs-là, enfin, ce sont des amis de la France. Ce sont ceux-là qui sont aimés de la France. Moi, je suis réfugié qui vous parle ici. Je suis réfugié. Mais pourquoi je suis venu ici? Parce que la France a donné des armes pour soutenir un dictateur. On est au jardin là? Non, pas encore. Merci. Voilà. Donc, je disais, la France a soutenu un dictateur chez moi. C'est pourquoi nous sommes ici. Demain, je dis bien, ils vont accueillir un dictateur, l'un des plus grands criminels d'Afrique centrale. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. 34 ans au pouvoir. Tous les opposants politiques sont en prison. C'est l'ami de la France, il sera accueilli ici. Voilà, regardez comment il s'embrasse, il se salue, il se donne la main. Et pour terminer, je vais vous lire un passage d'Eva Joly. Eva Joly, vous la connaissez peut-être. C'était une députée Les Verts. Lorsqu'elle a fait son enquête, c'était une juge. Qu'est-ce qu'elle a dit? Là, les tyrans sont des amis que la France a placés au pouvoir et dont elle protège la fortune et l'influence par des raisons de corruption. En échange, les dictateurs, en échange de ça, ils veillent sur les intérêts et les ressources des entreprises françaises. Hein, les dictateurs veillent sur les intérêts et des entreprises françaises qui creusent le sol en appauvrissant les Africains. Tout ce bon monde a intérêt à ce que rien, jamais ne stimule ni les institutions ni l'économie des pays. Elle veut dire par là, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En fait, les dictateurs que nous fuyons, qui nous tuent, lorsqu'on veut lever notre voix pour revendiquer le droit dans nos pays. En fait, ce sont les amis de la France. Et moi qui vous dis ça, je n'ai pas lu ça dans un livre. Moi qui vous dis ça, je n'ai pas vu ça sur un documentaire. J'étais cet Africain-là qui était en Afrique. Ceux-là qui fuyaient avec des mousses que vous voyez dans les documentaires. Moi, j'étais là-bas. Pendant que tu es en train de fuir, les obus sont en train de tomber à gauche et à droite. Et à l'époque, je ne savais pas. Tout ça, c'était pour les intérêts du pétrole, pour qu'on donne d'abord l'assiette à l'enfant français. Alors que nous-mêmes, on ne bénéficie pas de tout ça. Moi, je viens éveiller le citoyen français pour vous dire la misère qui se trouve à travers le monde là, que vous voyez à vos portes là. Comment on dit que la France ne peut pas accueillir la misère du monde? Mais pourquoi elle la crée? Pourquoi elle a créé en Libye? Pourquoi elle a créé en Côte d'Ivoire? Pourquoi elle a créé au Congo-Brazzaville d'où je viens? Partout. Pourquoi elle a créé au Yémen? Et c'est
ces gens qui viennent ici, on ne veut même pas donner les papiers. Ce sont des immigrants, on ne va pas donner. Mais c'est vous qui remplissez les conditions pour que ces gens-là viennent ici et viennent chercher les papiers. Pourquoi on leur refuse ces papiers-là? Et cette réalité-là, tout le monde doit savoir ça. C'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Belgique qui crée cette immigration-là. Comme disait Nelson Mandela, l'apartheid, ce n'est pas un accident de la vie. Ça a été organisé comme la ségrégation raciale aux États-Unis. Eh bien, nous disons ici, l'immigration est orchestrée et organisée par les dirigeants occidentaux à cause de leur politique envers l'Afrique. Ils veulent tout prendre et ne rien donner à l'Afrique. Parce que si on laisse juste l'Afrique tranquille, je peux vous le dire, moi qui vous parle là, je vous prends en témoin. Nous rentrerons, on n'aura même pas besoin qu'on nous expulse. On va rentrer chez nous. Si les dictateurs dégagent de nos pays, ces dictateurs, ces marionnettes imposées par l'Occident, vous allez voir, c'est des cargos d'Africains, des Noirs qui vont rentrer chez eux. On a besoin juste qu'on arrange cette situation-là. Cette complicité entre les dictateurs et les dirigeants corrompus des pourritures des Occidentaux. Et que ça soit bien clair, j'en veux pas aux citoyens français. Comme disait Thomas Sankara, les masses populaires de l'Europe ne sont pas contre les Africains. Ce sont leurs dirigeants, leurs élites là. C'est eux, cette minorité là qui décide pour nous tous. Et après, nous montrent les uns contre les autres. Bonne soirée à tous, désolé d'avoir crié, merci.